à la station de Shimoku. Il faut rester dans les nuages pour ne pas se faire repérer. D'après les renseignements de Paldora, mon père ravitaille sa flotte à la station Chinook depuis des mois. Notre vieille amie Ask supervise l'opération. Si on arrive à le capturer et à arrêter la station, ce sera un sérieux coup dur pour l'Empire. Sans oublier que Ask pourrait enfin nous permettre de retrouver l'amiral. Si on a de la chance. Ce n'est jamais une simple question de hasard. Wow! Regardez un peu tous ces belles dots. Je trouve ça mignon d'étudier la faune d'une planète avant de la visiter. Et s'ils produisent le gaz Tibana dont l'Empire a besoin, les Beldons sont une priorité. Si vous le dites. Vous savez, si on peut trouver votre père et l'arrêter, ce sera un grand pas vers la fin de la guerre. Je sais que ces derniers mois ont été difficiles, mais nous l'aurons cette fois. Je le sens. Ça, je n'en doute pas. Et je me demandais ce qui allait se passer après, quand la guerre sera finie. Honnêtement, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. L'entraînement impérial ne vaut pas grand-chose dans le secteur civil. Et vous ? Moi, je voudrais voyager. Parcourir la galaxie. Lothal, Mikapo. Vous y êtes déjà allé ? J'étais soldat à l'époque. J'aimerais revoir ces mondes libres. Je crois que c'est une très bonne idée. Voilà la plateforme d'atterrissage. On devrait pas repérer nos vaisseaux ici. Ask dans la tour du protecteur au niveau supérieur. Il va nous falloir un turbo lift pour y arriver. Le droïde a dit qu'il y en avait un devant, gardé par une escouade de stormtroopers. Bien, suivez-moi. Comme toujours. Ça ne fait jamais de mal. La sécurité est plus importante que prévu. Ce sera pas facile d'atteindre Ask. Je crois que j'ai une idée. Vous allez détester. Ok, la tour sera notre point de rendez-vous. D'ici là, essaie de pas te faire repérer. Ta nouvelle peinture risque de pas leur plaire. Restez pas planté là, soldat. Allez, en avant.
Tenez-vous près d'elle. Ask n'est pas du genre à se laisser faire. J'ai déjà hâte d'y être. Eh bien, ça rappelle des souvenirs. Peut-être, mais pas les bons. La tour du protecteur est droit devant nous. Ask doit se trouver au sommet. Depuis Endor, les occupations de l'Empire n'ont fait que s'aggraver. Zor et lui étaient au Eden. Vous et moi. Pensez à tout ce qu'on a fait de bien depuis Vardos, Del. On a rendu la galaxie plus sûre, redonné espoir aux gens. Bon. C'est le moment d'en faire autant pour Bespin. Trop bon, Ask. Je ne pensais pas que la station serait aussi animée. L'Empire est en déroute. Ses ressources s'amenuisent. Bavarde pendant le service. J'admirais simplement la puissance de l'Empire. Les rebelles n'ont aucune chance. C'est bien vrai. Il paraît que le blocus commence à céder. Les vaisseaux arrivent à passer dans tout le secteur Anoat. C'est de la faute du gouverneur Adelard. Droïde, nous sommes à la tour. Tu es prêt? On se retrouve en haut. Où est-ce qu'ils sont tous? Pensiez vraiment que ce serait aussi simple? Ask. Nous avons détecté le Corvus à l'instant où il a franchi le blocus. Je m'occuperai de toi personnellement. Mais j'ai des responsabilités et vous éliminer tous les deux n'en fait pas partie. Au revoir, Idel. Non, 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 on ne peut pas le laisser filer. Destroyer stellaire, ça doit être Ask. Tant pis pour le plan. Attention! Vite, Del, quittez la plateforme! Les soldats sont trop nombreux sur notre position. J'en ai tous sur le dos! La station sait que nous sommes là. Nous allons devoir nous battre pour sortir de la station Chinook. Maintenant. Ask n'était qu'une partie de la mission. Vous voulez encore saboter l'opération de ravitaillement? Comment on va s'y prendre? Il nous faut des vaisseaux. X sur de l'autre côté de la station. Droïde, il ne détecte rien d'autre qui soit plus près. Nous avons perdu le contact avec l'escouade de la tour. Donc soyez prudents. Dispersion. Le commandant Ask veut qu'on les trouve. Au moins un seul cas lourdement armé. Envoie les volts. C'est le dernier. Maintenant, trouvons ce vaisseau. Ça. Une voiture des nuages? C'est un vaisseau. Oh, d'accord. C'est eux, droit devant. Oh, pitié.
Quand j'ai dit qu'on avait besoin d'un vaisseau, j'aurais dû être plus précise. Elle a des armes. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Que ce ne soit pas une voiture des nuages. Plateforme de ravitaillement, droit devant. Et trois destroyers stellaires. Et nous allons faire sauter. Vous savez quoi, vous aviez raison. La voiture des nuages n'était pas la meilleure option. Non, 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 réfléchissez. Il nous suffit de détruire les cellules combustibles. Et l'explosion entraînera une réaction en chaîne. Exactement. Qui remontera jusqu'à ces destroyers stellaires. C'est la chose la plus folle que j'ai jamais entendue. Ça vous plaît? Ça me plaît. Commandant, j'ai repéré une voiture des nuages qui s'approche de votre destroyer. Ce truc est branché sur les communications impériales. Ça fait au moins un point positif. Sigma 1-2, en mouvement pour interception. C'est sûrement une simple livraison, mais on ne sait jamais. Bien reçu, commandant. Cette voiture des nuages n'est pas là pour une livraison. Abattez-la, 1-2. Toutes les unités à ma position. Voiture des nuages rebelles à 0032. Abattez-la! 1-2, arrêtez ce vaisseau! On perd des cellules à combustible. Notre flotte a besoin de ce gaz Timana. J'essaye, commandant. Mais il est rapide. Pilote 1-2, on ne peut pas utiliser nos canons avant la fin du ravitaillement, sinon la raffinerie partira en fumée. Arrêtez-les! Mais si on rate la cible et qu'on touche les cellules à combustible, on mourra tous. Alors ne la ratez pas. Joli tir! C'est la dernière. Dommage que Ask nous ait échappé. Sur un entrepôt impérial abandonné sur Sulusk. L'amiral Versio prévoit d'y aller et d'y récupérer une cage d'armes. Mais on va les récupérer les premiers. J'ai demandé de l'aide pour y parvenir. Shreve, vous vous battrez au sol avec le général Calrissian. Sécurisez ces armes et appelez-nous pour qu'on vous escorte. En aucun cas, mon père ne doit mettre la main sur ces armes.